Fido and Joe, en français. Veille de Noël. Un peu avant minuit, bébé Louis dormait dans son lit. Quand soudain, vint un bruit. Venant d'en bas, un petit bruit de clochette. Il sortit donc vite de sous la couette. Est-ce que ce serait le Père Noël ? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, mais c'est le Père Noël. Les rennes et les cadeaux attendent impatiemment. Quand tout est prêt, voici le traîneau allant sifflant, soufflant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. En ce matin de Noël, bébé Louis se demandait s'il n'avait pas rêvé. Mais comme le dirait le Père Noël, joyeux Noël et bonne année! C'est le temps de Noël, c'est le temps de Noël. C'est nos vacances préférées à la fin de l'année. Décorer le sapin avec de belles guirlandes. Sapin. Je voudrais atteindre le sapin. Non, bébé Louis, tu es trop petit. Je ne peux pas décorer. Pourquoi? C'est le temps de Noël, il y a plein de choses à faire. Participe et les enfants aussi. Nous allons décorer cette belle petite maison. Et sur le pain d'épices, nous allons coller des bonbons. Je veux aider à préparer. Non, bébé Louis, tu es trop jeune. Le Père Noël.
La 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 la.
tu veux jouer dans la neige, couvre-toi. Si tu veux jouer dans la neige, couvre-toi. Mets tes gants et tes chaussures, ton bonnet et ton écharpe. Si tu veux jouer dans la neige, couvre-toi. Si tu veux jouer dans la neige, couvre-toi. Si tu veux jouer dans la neige, couvre-toi. Mets tes gants et tes chaussures, ton bonnet et ton écharpe. Si tu veux jouer dans la neige, couvre-toi. Si tu veux jouer dans la neige, sois prudent. Si tu veux jouer dans la neige, sois prudent. Il faut faire très attention pour pouvoir bien s'amuser. Si tu veux jouer dans la neige, sois prudent. Si tu veux jouer dans la neige, sois prudent. Si tu veux jouer dans la neige, sois prudent. Il faut faire très attention pour pouvoir bien s'amuser. Si tu veux jouer dans la neige, sois prudent. Si tu veux faire de la luge, fais wouhou. Si tu veux faire de la luge, fais wouhou. Trouve une pente assez facile et prépare-toi pour la glisse. Si tu veux faire de la luge, fais wouhou. Si tu veux faire de la luge, fais wouhou. Si tu veux faire de la luge, fais wouhou. Trouve une pente assez facile et prépare-toi pour la glisse. Si tu veux des choses pour toi. Devine ce qu'il y a dedans, dans le cadeau. C'est grand. Dans le cadeau. C'est long. Dans le cadeau. Devine ce qu'il y a dedans. C'est une tablette de chocolat. Dans le cadeau, c'est rond. Dans le cadeau. Devine ce qu'il y a dedans. C'est un ballon. Oui. Devine ce qu'il y a dedans. Dans le cadeau, c'est petit. Dans le cadeau. Dans le
prendre les ingrédients. Cuisiner, cuisiner un gâteau. Papa et maman seront fiers de nous. Sois prudent quand tu prends tous les ingrédients. Pose-les sur la table, ne les fais pas tomber. Cuisiner, cuisiner un gâteau. Papa et maman seront fiers de nous. Fais très attention à tout ce que tu fais. Heureusement que mamie est là pour nous aider. Oh non! Cuisiner, cuisiner un gâteau. Papa et maman seront fiers de nous. Avec quelques œufs cassés dans le bol. Encore un ou deux et tout sera bien mieux. Cuisiner, cuisiner un gâteau. Nous devons mélanger le plus vite possible. On tourne, c'est comme ça qu'on mélange. Oups, j'ai encore sali toute la cuisine. Oh, oh les enfants. Faire des tours de patinoire tous ensemble, c'est amusant.
Comme moi, tu pourras patiner tout seul. Hey, regardez ça. Tout va bien. Ton, comme une ballerine. Hey, regarde-moi. C'est génial de patiner et de tourner. On patine ensemble. C'est tellement bien. Patiner en famille, c'est super cool. Prêt à retourner sur la glace et à réessayer? Faire une partie de hockey. Oui, nous. Tapons dans le palais, jouons au hockey tous ensemble. On s'amuse beaucoup à la patinoire tous ensemble. Qui veut marquer dans le but? Allez. Ma maison de poupée est si jolie, je l'ai si bien décorée. Jusqu'à ce que mon petit frère arrive, il a tout gâché. Tout va bien, nous allons jouer. Donnons-lui un balai. Il peut apprendre à balayer. Oui, il peut le faire. Ma maison de poupée est si jolie, je l'ai si bien décorée. Jusqu'à ce que mon petit frère arrive, il a tout gâché. Tout va bien, jouons tous ensemble pour aider ton petit frère. Il peut donner le bain à ta poupée, oui, il peut le faire. Ma maison de poupée est si jolie, je la garde propre et rangée. Jusqu'à ce que mon petit frère arrive, il a tout gâché. Tout va bien, jouons tous ensemble pour aider ton frère à jouer un peu plus doucement. Oui, il peut le faire. Et non plus rien à manger. Je vais donc au supermarché. Jusqu'à ce que mon petit frère arrive. Boum! Sur le plancher. Tout va bien, jouons tous ensemble pour aider ton petit frère. On peut lui apprendre à faire les courses. Oui, il peut le faire. Maison de poupée est si jolie, je l'ai si bien décorée. Jusqu'à ce que mon petit frère arrive. Waouh! Il peut jouer. Waouh!
Je peux jouer avec tes poupées. Je promets de faire attention. Tu peux jouer avec mon xylophone. Oui. On joue ensemble. Oui. Hey bébé Louis, regarde mon jeu de voiture, il est génial. Fais doucement, petit frère. Fais doucement en prenant mes jouets. Je sais que tu t'amuses beaucoup, mais la voiture va vraiment trop vite. Oh non! Je vais t'expliquer, petit frère, comment faire doucement avec mes jouets. Quand tu joues à ce jeu, il faut que tu appuies doucement sur le bouton. Tu vois, bébé Louis, c'est plus amusant comme ça. Cette manette est pour toi. Fini. C'est ma poupée, petit frère. Fais attention en prenant mes jouets. Je sais que tu veux qu'elle nage. Fais attention, elle peut couler. Oh non! Je vais t'expliquer, petit frère, comment faire doucement avec mes affaires. Voici comment tu l'allumes et que tu la mets dans l'eau en faisant attention. Allez, vole! C'est mon avion, petit frère. Fais attention, ne casse pas mon jouet. Peux-tu jouer doucement? Regarde l'avion, il est beaucoup trop haut. Oh non! Je vais t'expliquer, petit frère, comment faire doucement avec mes jouets. Regarde bébé Louis, quand tu orientes la manette vers le haut, l'avion va monter. Il faut que tu le regardes. Essaye! Bien joué, bébé Louis! Yeah. La la la! La la la! C'est mon château, petit frère. Fais attention en prenant mes jouets. Je sais que tu veux t'amuser, mais il n'est pas fait pour le casser. Je vais t'expliquer, petit frère, comment jouer doucement avec mes jouets. On peut reconstruire le château ensemble. Cette tour va ici, et celle-là va ici. Et tout est fait. Maintenant, nous pouvons jouer. Bonjour, Léo. Wow! C'est mon robot, petit frère. En prenant mon jouet, bébé Louis, fais bien attention. Tu casses mon robot, c'en est assez. Non, je vais t'expliquer, petit frère, comment faire doucement avec mes jouets. Ce robot est très amusant. Tu dois jouer doucement avec bébé Louis. Maintenant, tu peux t'amuser avec. Bonjour, bébé Louis. Allons jouer! Oh. Hein? Wouhou! Oui. Tu peux t'amuser, petit frère, en jouant doucement avec nos jouets. Maintenant que tu fais attention, nous pouvons jouer tous ensemble. Nous t'avons montré, petit frère, comment faire doucement avec nos jouets. Au revoir. Des rouleurs, génial. Apprenons à faire du roller. Rouler, c'est très rigolo. Attache-les, ils sont très très beaux. Allons rouler en famille.
Mais, encore une chose, avant d'y aller, il faut mettre son casque. Le casque nous protège. Roulons en famille, on va s'amuser. Le roller, c'est amusant. Bébé Louis, tu as mis ton casque. Allons tous rouler ensemble. Faire du roller, c'est glissé, c'est rigolo. Attache-les et tout ira bien. Allons glisser tous ensemble. Mais encore une chose, avant d'y aller, genouillères vérifiées. Les genouillères te protègent. Glisser, glisser, c'est rigolo. Tu glisseras comme un chef. Tu dois mettre tes protections. Nous sommes tous prêts maintenant. Yeah. Ok, super. Tout va bien, chérie. Je te tiens. Bébé a peur. Apprenons à faire du roller. Roule, roule, roule avec moi. Il ne faut pas tomber. Maintenant, on est presque prêt. Avant d'y aller, regarde bien que si tu tombes, tout va bien. Avec ton casque et tes protections, qu'il vous garde en sécurité. Bébé Louis, tiens-toi droit maintenant. Allons rouler en famille. C'est comme ça qu'on fait du roller. Regardez-moi bien, les enfants. Et s'amuser. Regarde comme tout va bien. Regarde, là-bas. Nous pouvons tous rouler très vite. Rouler autour du lac. Monter sur le pont et le descendre. On adore faire du roller. Léo, Léa et bébé Louis. Nous y arrivons tous. Non, non, bébé Louis! Wow, wow. Oh mince! Oh. Oui! Vas-y, papa! Je veux
Ok, faisons une autre course avec mon nouveau circuit. On va faire une course. Venez prendre votre place. Soyez prêts quand je dis 1, 2, 3. En les encourageant, je veux vraiment savoir quelle voiture va gagner la course. Vroom, vroom. Ouais, wouhou. Oh, oh. On va t'aider, bébé Louis. Bébé Louis. Bien joué, incroyable. Mon petit champion. Oh. Ouais. Wouhou. Ouais. Je vais te montrer. Fais comme moi. Oui, comme ça. Monte tout en haut et redescends. Pensez pouvoir le faire? Waouh! Oh.
travail, les filles. Et la bienvenue à Léa. Yeah. Astronautes Léa et bébé Louis, est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. Regardez là-bas, un centre aérospatial. Génial. Wow. Je veux devenir un astronaute. Allez dans l'espace. Devenons tous des astronautes. Conduire des fusées. Mets tes chaussures et mets tes gants. Ta combinaison et amuse-toi. Devenons tous des astronautes. Pour conduire des fusées. Wow! Regardez cette fusée. Wow! Les amis, nous avons une mission. Oui, capitaine Léo. Oui. Wow. Flottons tous dans les airs, comme si nous étions dans l'espace. Faire des figures, c'est rigolo. Nous sommes des astronautes. Oh non, oh non, mes bonbons volent. Laissez-les-moi. Mangeons-les tous. Vous avez complété la mission. Vous êtes les meilleurs astronautes. Vous êtes prêts pour la prochaine mission? Allez explorer la fusée. Oui. Yeah. Explorons toute la fusée. Nous sommes des vrais explorateurs. Nous sommes une belle et grande équipe. Tant de choses à faire et à voir. Les astronautes sont très rapides. Oh. Devenons tous des astronautes pour conduire des fusées. Prochaine mission, les astronautes. Êtes-vous prêts à décoller? Oui, on est prêts. C'est le bon moment pour
faire un bonhomme de neige, un bonhomme de neige, un bonhomme de neige. C'est le bon moment pour faire un bonhomme de neige en ce jour d'hiver. Je vais gagner la bataille de boules de neige, de boules de neige, de boules de neige. Je vais gagner la bataille de boules de neige en ce jour d'hiver. Sentira grand, wow. Tu pourras tourner en rond, allons couper.
cheveux. Bébé requin doudou doudou doudou, bébé requin doudou doudou doudou, bébé requin doudou doudou doudou, bébé requin. Coupe de star doudou doudou doudou, coupe de star doudou doudou doudou, coupe de star doudou doudou doudou, coupe de star. C'est la première fois que tu te coupes les cheveux, bébé Louis. Oh, la première coupe, c'est quelque chose. C'est spécial et super cool. Regarde mes ciseaux et mon peigne, c'est pour couper tes cheveux. Un peu d'eau et de shampoing pour laver tes cheveux. Tu n'as pas à avoir peur, tu peux aussi m'aider. Tu peux me tenir cette eau pendant qu'on coupera tes cheveux. Oh, il y a tellement de cheveux. Longs et courts, doudou, 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 bouclés droits, doudou. Hérissé doudou doudou doudou, cheveux fous, cheveux fous, doudou doudou doudou, cheveux fous, doudou doudou doudou, cheveux fous, doudou doudou doudou, cheveux fous. Ok mon garçon, es-tu prêt pour ta super coupe de cheveux? Es-tu prêt, oui bébé Louis, pour couper tes cheveux? Choisis ta chaise favorite pour couper tes cheveux. Nous faisons beaucoup de choses pour te rendre beau. Tu peux me voir travailler quand je couperai tes cheveux. Cheveux cool doudou doudou doudou, cheveux cool doudou doudou doudou, cheveux cool doudou doudou doudou, cheveux cool. N'aie pas peur doudou doudou doudou, n'aie pas peur doudou. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour ta coupe, mon grand? Tu peux être Superman et porter une cape. J'utilise ciseaux et peigne pour couper tes cheveux. Tu peux m'aider dans mon travail en restant assis. Un coup par-ci et par-là pour couper tes cheveux. Coucou toi, tu as aimé notre vidéo? N'hésite pas à cliquer sur j'aime et partage avec tes copains. Pour continuer d'apprendre tout en chantant, clique sur le bouton rouge pour t'abonner à la chaîne de Little Angel. Un grand pirate, regarde ma barbe et ma moustache, prêt à triompher. Tu es mon prince charmant? Je veux être un astronaute pour aller voir les étoiles. Je veux être un astronaute pour aller dans l'espace. Trois, deux, un, partez!
planètes et de galaxies. Allons tous jouer dehors, jouer dehors, jouer dehors. Allons tous jouer dehors pour explorer le monde. C'est là que nous cacherons ton trésor, bébé Louis. Regardez, un magnifique papillon. Regardez, c'est comme ça que je marcherai sur la lune. Oh wow! Voici comment on va dehors en s'amusant tous ensemble. Voici comment on va dehors et on explore le monde. Voici comment on va dehors en s'amusant tous ensemble. Voici comment on va dehors et on explore le monde. Ah, vous êtes magnifiques les enfants. Ah. Oh. Oh. Et moi, je suis un pompier. Et je suis super maman. Oui. Ok les enfants, est-ce que ça vous dit d'aller au nouveau magasin de jouets? Vous avez le droit de choisir un jouet chacun. Oui, trop bien. Allons-y. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Mettez vos chaussures, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps ça va prendre? On est trop excités. Est-ce que c'est encore long? On y arrive bientôt. Hé, hey, regarde, le train... Regardez, regardez, le train va passer. Regardez dans les wagons, ce sont des animaux. Wow, il y a des vaches et des moutons. Regarde, bébé Louis. Oui, et des cochons aussi. Coin, coin. Oui. Ces gros bateaux. Et regarde, il y a des petits aussi. Oui. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Hourra, hourra, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps on va mettre? On est trop excité. Est-ce que c'est encore long? Oui, nous y sommes bientôt. Oui, bébé Louis, regarde cette colline. Attention, on grimpe la grosse colline. Regardez autour, notre jolie ville. Regardez, c'est ici. Oui. Regarde, des cerfs-volants, ils volent super haut. Waouh, regarde ces jolies couleurs. À gauche, à droite, il y a tant de choses à voir. Mais regardez le magasin de jouets. Ok bébé Louis, allons voir ce train. Achoo!
attraper un vilain rube. Ne t'inquiète pas, mon chéri, ça va passer. On devrait appeler papa. Maman est un petit peu enrhumée. Maman doit avant tout se reposer. Venez les enfants, nous en prendrons soin pour que maman se sente mieux demain. Oh, merci. Ok les enfants, allons amener maman dans le lit. Maman, tu dois maintenant aller dormir. Viens te reposer pour plus vite guérir. Tu es toujours là quand ça ne va pas. À notre tour de prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a, bébé Louis? Ça ne va pas? Ne t'inquiète pas pour maman, elle ira mieux, tu verras. Est-ce que tu veux prendre sa température pour voir si elle a de la fièvre? Pour la température, tu peux m'aider. Voici un thermomètre pour vérifier. Son front est chaud et elle éternue. Mais avec nous, ça ira bien mieux. Maman fait un peu de fièvre, bébé Louis. Allons lui préparer des serviettes froides. La fièvre tombera avec de l'eau froide. On a des frissons quand on est malade. Maman doit bien rester dans son lit. Avec toi, petit docteur Louis. Oh, merci. Il était délicieux ce jus. Hey, allons lui préparer une soupe pendant que maman se repose. Merci chérie. Portons à maman un peu plus de jus. Une cuillère et un gros bol de soupe. On veut aider pour mieux te soigner. Maman, la soupe, c'est nous qui l'avons fait. Maman va beaucoup mieux. Et ça, c'est grâce à vous, les enfants. Bravo, les enfants, maman va mieux. Elle devrait vite nous rejoindre sous peu. Un peu d'amour et tout plein de câlins. Les meilleurs soins quand on va pas bien. Maman, maman. Une vraie activité familiale. Oh. Wow. On t'aime, maman. Maman. Hey, les enfants. Vous savez où est-ce qu'on va aujourd'hui? Oui! Tu aimes bien ma casquette, toi? Oui! Ok, les enfants, vous êtes prêts pour l'aquarium? On va y voir plein de créatures marines! Oui! Alors, 3, 2, 1... Allons-y! Six petits écoliers assis dans le bus jaune, excités par cette nouvelle aventure. Le trajet est plaisant, une belle journée commence. On s'en va à l'aquarium. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'aquarium. Je suis votre guide et voici Pingoui le pingouin. Il va m'aider à vous guider dans cette aventure. Suivre Pingoui. Entrez. Regardez tous ces poissons danser et chuchoter. Il y en a des gros et des petits. Les hippocampes font la paire pour se montrer qu'ils s'aiment. Ils dansent et jouent toute la journée. Glou, glou. Venez les amis, allons voir la suite. Regardez le plongeur, c'est un sacré blagueur. Regardons-le danser et s'amuser. Top, top. La pieuvre met un chapeau. Regardez comme elle se balance. Ses jambes gigotent partout. C'est vraiment très bien. Ok, venez les amis. Il y a encore d'autres aventures qui nous attendent. Et
méduses. Hé, les amis, allons à la piscine tactile. Oui. Oh, regardez, la piscine tactile. Oui. Regardez tous ces poissons, regardez le poisson rouge. Allez-y, laissez-le s'approcher. Glou, glou. Il veut être ton ami avant la fin de la journée. Allez, fais-lui un sourire. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Une étoile là-bas. Tout va bien, bébé Louis, c'est une étoile de mer. Et voilà. On va la remettre à l'eau maintenant. C'est le moment de sortir. Il y a encore plein d'animaux à voir. Les pingouins sont comme vous, ils sont drôles et aiment jouer. Pingoui adore nager avec ses amis. Regardez les dauphins sauter, ils sont gentils et rigolos. Comptons combien ils sont. Un, deux, trois. Oui. Hé hey, les enfants. Alors, est-ce que c'était cool l'aquarium? Oui. Oh. Que nous avons un nouvel élève dans ce bus. Ok, 3, 2, 1, allons-y. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir. J'aimerais que ce soit toujours l'hiver. L'hiver est vraiment la meilleure saison. Oh non Léo, je ne pense pas. Tu te souviens de la dernière fois qu'on est allé à la plage? J'aime quand il fait chaud et quand c'est l'été. C'est tellement mieux que le froid. On peut jouer sur la plage et faire des châteaux de sable. Et surtout quand il fait chaud. Pendant l'été, on peut faire tout ça. On s'amuse toujours quand c'est l'été. Oui, pendant l'été, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'été. Non, c'était vraiment pas une bonne journée. Tu te souviens quand on avait construit un château de neige? J'aime quand il fait froid et que c'est l'hiver. C'est mieux que quand il fait chaud. On peut faire des grosses batailles de boules de neige ou construire un igloo. Pendant l'hiver, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'hiver. Pendant l'hiver, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'hiver. Les batailles de boules de neige, c'est vraiment pas marrant. Tu te souviens de cette journée au parc aquatique? C'était tellement drôle. J'aime quand il fait chaud et quand c'est l'été. C'est tellement mieux que le froid. On peut aller au parc aquatique, s'amuser et aller dans les toboggans. Pendant l'été, on peut faire tout ça. On s'amuse toujours quand c'est l'été. Oui, pendant l'été, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'été. Les toboggans, c'est vraiment pas drôle. Est-ce que tu te souviens quand on est allé faire de la luge? J'aime quand il fait froid et que c'est l'hiver. C'est mieux que quand il fait chaud. On peut aller faire des grandes descentes de luge et s'amuser tous ensemble. Pendant l'hiver, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'hiver. Pendant l'hiver, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'hiver. La luge, c'est quand même très dangereux. Tu te souviens de cette journée à la piscine? J'aime quand il fait chaud et quand c'est l'été. C'est tellement mieux que le froid. On peut tous aller jouer dans la piscine avec nos maillots de bain. Pendant l'été, on peut faire tout ça. On s'amuse toujours quand c'est l'été. Oui, pendant l'été, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'été. Non, c'était pas une bonne journée. Le cours de hockey qu'on avait pris, ça c'était génial. J'aime quand il fait froid et que c'est l'hiver.
fait chaud. On peut aller jouer à la patinoire et faire du hockey ensemble. Pendant l'hiver, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'hiver. Pendant l'hiver, on peut faire tout ça. On s'amuse beaucoup quand c'est l'hiver. L'été, c'est beaucoup mieux. Bien sûr que non, tu as tort. C'est toi qui as tort. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, quelle saison est la meilleure, l'été ou l'hiver? Eh bien, les deux saisons sont magnifiques quand on en profite avec sa famille. Oui. Venez les enfants, nous allons commencer. Youpi! Oh, mon petit éléphant! Êtes-vous prêts, les amis? Ouais! Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'il appela un autre éléphant. Ce n'est pas encore à toi, bébé Louis. Deux éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Toujours pas, bébé Louis. Trois éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Bébé Louis! Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Oh! Wow! Wow! Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Encore un peu de patience, bébé Louis. Six éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. C'est presque à toi, bébé Louis. Sept éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Huit éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Maintenant, c'est à toi. Vas-y, bébé Louis. Neuf éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent un autre éléphant. Bravo, bébé Louis. Dix éléphants allèrent jouer sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant qu'ils appelèrent leur maman éléphant. Mon petit éléphant. Connais-tu le boulanger qui vient?
des cookies. Et la touche finale. C'est fini. Regarde maman à son fourneau faire des gâteaux, des gâteaux. Elle prépare des pâtisseries pour tous tes amis. Te voici bébé Louis. Et j'ai une surprise pour toi. Maman aime bien décorer, décorer, décorer. Maman aime bien décorer, nous allons nous régaler. Ce cookie est pour toi bébé Louis. Il est juste en face. Hé, bébé Louis, viens prendre une glace. Miam miam, surprise. Connais-tu livreur de pizza, livreur de pizza, livreur de pizza? Connais-tu livreur de pizza? Le voici juste là. Il est l'heure de manger. Miam. Oui. Oh. Qui a pris une part de pizza? Où se cache ce petit malin? Le coquin, le coquin. Mangeons et allons nous reposer avant de se coucher. Miam, c'est délicieux. Je suis contente que tu aimes mon cœur. Oh non! Regarde bébé Louis, il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture de papa.
C'est l'heure du petit déjeuner, les enfants. Préparons-nous tous pour manger le petit déjeuner. Préparons-nous tous pour manger. Il faut se lever. Aidons tous à préparer le petit déjeuner. Aidons tous à préparer, car aider c'est amusant. Pour avoir de bonnes manières, écoute.
fourchette. On s'en sert pour manger les spaghettis. Regarde, on fait comme ça. Ha 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 ha!